Pour la première, tous étaient patriotes, s'engageaient pour défendre leur pays. L'armée formait des hommes, pas des fiottes. On le dit encore aujourd'hui. Mais qui mérite que l'on se fasse tuer pour lui? Que ce soit une nation, une patrie, que nos représentants, nos chers présidents, s'affrontent comme de vrais ennemis. Qu'ils mettent des gants de boxe, qu'ils montent sur un ring et qu'ils fassent un véritable combat. Mais tout ça n'est que de l'intox, du merchandising pour remplir la page blanche des médias. Entre collaborateurs et résistants, une Europe dirigée par les croix gammées, massacrant des innocents. Mais quelle femme mérite de perdre son mari, que ce soit pour une opinion, une utopie? Que nos représentants, nos chers dirigeants, s'affrontent comme de vrais ennemis. Qu'ils mettent des gants de boxe, qu'ils montent sur un ring et qu'ils fassent un véritable combat. Mais tout ça n'est que de l'intox, du merchandising pour remplir la page blanche des médias. Troisième, ce sera stratégique. La richesse supérieure à la pauvreté. Le prétexte de conflits ethniques, utilisant des armes longtemps stockées. Mais quel soldat mérite de jouer avec sa vie, que ce soit par tradition, par idiotie? Que nos représentants, nos chers commandants, s'affrontent comme de vrais ennemis. Qu'ils mettent des gants de boxe, qu'ils montent sur un ring et qu'ils fassent un véritable combat. Mais tout ça n'est que de l'intox, du merchandising pour remplir la page blanche des médias.